Bonjour à toutes, on est lundi 16. Je viens d'aller en course parce que bon, il me fallait du PQ. Hein. C'est important quand on en a plus. S'il me restait un rouleau et demi, mais bon, j'ai dit je ferai pas la semaine avec. Donc, j'ai dit je vais aller faire des courses. Et ben oui, j'ai été faire des courses. Et ça baisse pas, hein. Ça augmente bien. Donc, je vais vous donner les prix. J'ai tout relevé parce que maintenant le ticket Leclerc il est sur mon téléphone et comme je filme avec mon téléphone, ben, j'ai tout relevé ici. Voilà. Donc, je vais essayer de m'y retrouver dans ce que j'ai marqué. Donc, par quoi je vais commencer? Je n'en sais rien. Comment ça se fait qu'il y a. Ah oui. J'ai acheté du beurre, alors du paysan breton. Il est à 2,98. Voilà, 2,98. Et j'en ai pris un, beurrier saveur gastronomique. J'ai dit, tiens, c'est de demi-sel aussi. Des fois, pour mettre sur une tartine, peut-être qu'il est plus facile à étaler. Donc celui-là, il est à 2,52. Hein, déjà là, dans le beurre, j'en ai pour plus presque 6 euros. Hein, ouais, au moins. 6 euros. Bon, je vais poser ça là. Dans le même rayon, il y a des œufs. J'ai pris des œufs à 2,47. J'essaye de suivre ma liste. Des œufs, 2,47 les 12. Hein. C'est 12, oui. Donc ça, je vais les mettre là parce que sinon, j'ai peur que ça casse. J'ai pris de la crème fraîche, un petit pot parce que je peux en avoir besoin et il est bon jusqu'au 12 février. Donc voilà, un petit pot de crème fraîche légère. À 0,98. Voilà. En fromage, je me suis repris ben, ma petite brique, là, ma petite pyramide et mes petits crottins. Donc la pyramide, elle est à 1,44 et les petits crottins sont à 1,79. Voilà, ça, c'est fait. Et j'ai pris du lait, Silet, 5,85. Dans la voiture, il reste mon sel, comment? Du sel adoucissant. Alors, ça a drôlement augmenté, ça, parce que le paquet de 10 litres, 10 kilos, il est à 4,10. Et je me souviens, au début, que j'avais l'adoucisseur, c'était dans les 2 euros. Et 4,10, et j'en ai pris deux paquets. Donc, vous voyez, hop. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, alors, pour changer un peu, ça fait longtemps que j'en ai mangé des Roll Mops. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, j'aime bien. Alors, ça, les Roll Mops, c'est 3,016. Non, c'est 3,16. Pourquoi 0? Mariné en vinaigrette, c'est du hareng, quoi, si vous préférez, qui est roulé avec un cornichon. Mais j'aime bien. Hein, les Roll Mops, de temps en temps, ça change un peu. Hein, 3,16. J'ai pris. Alors, je me suis pris mes œufs en gelée. Hein. Alors, ça, c'est pareil. Avant, c'était 1,90, 1,90 les deux. Maintenant, c'est 2,20 les deux. Ça, hein, c'est pas mal. Je me suis pris de la fleur de surimi comme ça, j'aime bien, c'est bon, c'est meilleur que le surimi que je prends d'habitude, mais bon, il y en a moins et c'est plus cher. Hein. Alors, la fleur de surimi, c'est 2,99. Mais j'ai dit, de temps en temps, ça fait du bien. Ça faisait longtemps aussi que j'avais acheté ça, les dos de la mer là. Alors, les dos de la mer, ils sont à 2,11. Pareil, ils n'étaient pas à ce prix-là, ils étaient à 1 et quelques, 1,90, je crois. Je me suis repris de la viande de grison, hein, parce que j'ai bien aimé l'autre jour. Je ne vais pas faire pareil, je vais faire autre chose avec, mais je ne sais pas encore quoi. Donc ça, par contre, c'est très cher, c'est 3,59. Voilà, il y en a 10 tranches. Même à manger comme ça, j'aime bien, donc voilà. Je sais, il ne faut pas que j'abuse, mais de temps en temps, un petit peu. Je me suis pris des miettes de surimi. Alors pourquoi ils m'ont marqué des miettes de thon? Des miettes de crabe, parce que c'est du surimi. Ouais, bah oui, saveur crabe. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà. Donc ça, c'est 1,59. Ça, c'est fait. J'ai pas pris beaucoup de crevettes parce que j'ai l'intention de faire des rouleaux de printemps. Donc des crevettes, j'en ai pris juste un petit peu, 1,81. Voilà. Donc ça c'est fait aussi.
Ensuite, qu'est-ce que... Oui, bon, ben, j'ai pris... Je vais en suivant. Hein. J'ai repris les sacs poubelles 2,75. C'est des 50 litres et il y en a 15. C'est pas donné pour fiche en l'air. Hein. Enfin, bon. Alors, j'ai vu Betty qui mettait comment, des tablettes dans ses toilettes. Moi, j'ai pas trouvé à Leclerc, mais c'est de la poudre. Donc là, ils disent de mettre un sachet. La poudre pour mettre dans les toilettes. Mode d'emploi, verser le contenu du sachet dans l'eau des WC en quelques instants. Une mousse super nettoyante et dense se forme et agit en profondeur, détartrant la cuvette même sous l'eau. Pour compléter le nettoyage des WC, passer la mousse sous la rebord et sur les... Oh, ben ça, d'accord. Et il faut laisser agir 15 minutes et jusqu'à 2 heures en cas de saleté tenace. Donc moi, je pense que je vais le mettre le soir. Comme ça, tranquille. À moins que je me lève la nuit, mais ça, au bout de 2 heures, c'est bon. Le produit continue son action nettoyante même après la disparition de la mousse. Résultat, vos toilettes sont nettoyées en profondeur et détartrées même sous l'eau. Donc, je vais essayer parce que ça, quand j'ai vu ces tablettes, j'ai dit, bah oui, c'est parce que des fois, on a du mal quand même à nettoyer. Quoi qu'ils ne soient pas sales, mais hein, 3,75 quand même la poudre. Hein, c'est des sachets. Hein. Voilà. J'ai pris aussi des lingettes pour nettoyer au fur et à mesure. C'est vrai parce que des fois avec seulement une éponge ou tout ça, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà. Donc les lingettes, c'est 2 euros. J'ai repris des allume-feu malgré que j'en ai encore, mais j'ai dit ça. Alors ça, c'est pareil. Avant, je les payais à Leclerc. Je crois que je les payais 1 euro, un truc comme ça. Et là, c'est 1,52 le paquet. J'en ai pris 3. Ils étaient en train d'installer pour le nouvel an chinois. Donc, bah, moi, vous me connaissez, mon amour pour les nems à la crevette. Hein? Crevette et crabe. Donc, j'en ai pris à 1,69 et j'ai eu 34 centimes sur ma carte. Voilà. Chez Coco, j'avais goûté ça. J'avais trouvé ça super bon. Des gyoza. Et il y en avait aux légumes. Il y en avait à je sais pas quoi. Et là... Crevette, là c'est la crevette. Alors il y a 10 pièces, ça se fait 5 minutes à la poêle ou 5 minutes au panier vapeur. Donc soit à la poêle, soit au panier vapeur. Alors comme j'ai mon cul vapeur, ben, je vais le faire au vapeur. Et ça, les gyoza, c'était 3,37 mais 1,15 en bon immédiat. Donc ça, j'ai pris. Me suis pris, alors l'autre jour j'ai fait des samoussas, là vous savez, au thon et tout ça, voilà. Donc j'ai repris du thon, pas au naturel, à l'huile de tournesol. Alors celui-là, il est à 1,48. Pour changer un peu, j'en ai pris aussi au piment d'Espelette. Alors au piment d'Espelette, il est à 1,99. Et j'en ai pris aussi au thon éteint à 2,09. J'ai dit ça me fera, parce que moi la viande j'aime pas, mais le poisson ça va. Rhum, mob, ce thon, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais. Alors attends, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est pas fait, ça c'est pas fait. C'est pas bon, alors ça c'est fait aussi. Attendez, hein, parce que je me suis pris un pain de campagne. J'avais envie de manger du pain de campagne. Il pleuvait, mais alors je suis partie d'ici. Coco, je lui dis go, je pars à Leclerc. Tout ça, elle m'envoie un message. Elle dit fais attention, il y a du vent et de la pluie. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie. Mais cette nuit, oui, ça avait soufflé. Mais quand je suis ressortie de Leclerc, c'était de la neige fondue, du vent, de je sais pas quoi, tout est trempé. 1,50 le pain de campagne. Donc il est un peu mouillé, je vais le sortir et puis je vais le mettre dans autre chose. Voilà, 1,50. Il y avait une promo sur les pâtes. Donc j'en ai pris. Alors là, j'ai pris des macaronis coupés. J'aime bien. J'en ai 3 paquets. 3 minutes à cuire, ça va. Alors c'est 3,42. Et j'ai eu 1,03 sur ma carte. Voilà, je raye au fur et à mesure parce que... Voilà.
Je me suis pris du shampoing pour les cheveux blancs. Alors, le shampoing, il est à 2,99. Déjaunisseur, cheveux, mèches, blond ou blanc. Alors, moi, je prends toujours du bleu comme ça pour mes cheveux. Je me suis pris des sucrettes. 2,90. Alors, le paquet de 80, il était à 1,90. Et là, il y en a 3, 300 pour 2,90. Donc, 3 fois 9. 3 fois 8, 24. Oui, j'en gagne 60. Je gagne 60 sucrettes. Donc, voilà. J'ai vu qu'il y avait des recettes, des fois, avec du lait concentré. Mais je ne sais plus, me rappelais plus si c'était du sucré ou du non sucré. Donc, j'ai pris du sucré. Et au cas où, bah, j'en prendrai du non sucré. Hein. Donc, le lait concentré, c'est 1,26. J'ai pris, pour changer un peu, des yaourts. Je me suis pris un pot de compote, comme ça. Alors, ça, la compote, ça va, c'est pas cher. C'est 83 centimes. Hein. 83 centimes. Et je me suis pris des croissants pour le matin, pour changer un peu aussi. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 8. 1,89. Ça, c'est fait. Alors, ensuite, je me suis pris des carottes. Des carottes. Alors, je ne sais pas si elles sont assaisonnées, c'est pour ça, je ne sais pas. C'est pas marqué. Et celles-là, elles sont à 0,69. Et quand j'étais au rayon légumes, j'en ai trouvé en sachet comme ça, qui sont à 0,98 les 150 grammes. Donc j'ai dit de toute façon les carottes, hein, et puis même pour faire mes recettes, c'est très bien. Je me suis pris, alors j'ai trouvé de l'amande, je cherchais de l'amande, j'en ai trouvé enfin, j'ai vu où c'était. Donc comme j'ai l'intention de faire des nems, je me suis pris de la menthe, déjà lavée, tout ça, donc c'est bon. Et la menthe, elle est à 1,69. Elle est bonne jusqu'au 23 janvier. Donc, il faut que je me dépêche. Mais enfin, pour faire mes rouleaux de printemps avec mes crevettes, la menthe, j'ai pris des germes de soja. Eux, ils marquent haricot, mango, mais c'est pour moi, c'est des germes de soja. C'était le dernier paquet. Et ça, je l'ai payé 2,24. Voilà. Ça, le thon, je l'ai, c'est bon. Le thon, c'est bon, oui. J'ai repris les pommes de terre. Parce qu'en ce moment, j'aime bien les pommes de terre à l'eau ou les pommes de terre en salade. Donc ça, alors ça, les pommes de terre, elles ont pris un coup. Alors, c'est un paquet de, je ne sais plus si c'est 2 kilos. Ouais, je crois que c'est 2 kilos. 2 ou 3 kilos, je ne sais pas. Oui. Alors celles-là, elles sont à 4,50 les pommes de terre. J'ai envie de manger un chou chinois. L'enveloppe, elle est tombée là quand j'ai les faits. Un chou chinois. Alors il y en a qui disent qu'on peut le manger cru. Moi, je le fais toujours sauter. Je ne sais pas si c'est bon cru. Si. En salade, ça ne doit pas être mauvais. Même pour mettre dans mes. Ouais, je peux voir. Petit chou chinois comme ça. Un petit, il est gros. 2,19. Ensuite, ça c'est fait. Corinne m'a dit pour mettre dans tes jus de fruits, mets du citron vert. Donc j'ai acheté du citron vert et c'est 2,29. Je me suis pris des oranges à jus. Non, les oranges, elles sont là. Oh si, c'est bon, le chou chinois comme ça. 1,5 kg, 2,50 kg, des oranges à jus. Ça, c'est bon. Ensuite, voilà. Je me suis pris des mandarines. C'est pas des clémentines, hein, c'est des mandarines, je crois ça. C'est des mandarines spécial jus aussi et c'est 3,79 le paquet de s'ils mettaient le poids ça serait bien quand même hein? 2 kilos voilà
J'ai encore des minutes, oui. Alors, les mandarines, c'est 3,79, ça va tomber. Et je me suis racheté des champignons de 99. Voilà. Alors après, je me suis trouvé aussi. Alors, ça, par contre, je ferai une vidéo à part où on va les feuilleter ensemble. Me suis pris du... C'est pour ça que j'y allais, hein. Du PQ, et le PQ, il est à 3,11. Et je me suis trouvé, enfin je me suis trouvé, j'étais dans le rayon livre, et j'ai dit, comme j'ai pas d'idée en ce moment, je me suis acheté ce, mais bon, c'est des trucs qui sont passés, hein, je pense, hein, c'est pas tout neuf, enfin c'est pas tout neuf, ça doit être un peu dépassé la date, je pense. Oui, parce que le calendrier de l'Avent Traîneau, tout ça. Enfin, c'est pas grave. Celui-là, il est à 6,50. Alors, c'est album et tuto. Donc, ça, je vais le feuilleter, mais on fera une vidéo ensemble. Et je me suis pris celui-là qui est à 10,90 €. Il n'y a pas la date non plus. Je ne sais pas. 10,90 €. Il y a un petit tampon. Bonjour l'hiver. Bon, ça va aller dans mes trucs d'hiver. Et ben ça, c'est Passion Scrapbooking. 40 modèles inédits. Donc, il y en a sûrement qui le connaissent déjà, qui sont abonnés à ces choses-là. Mais on le feuilletera ensemble pour ceux qui ne l'ont pas. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, dans tout ça, je m'en suis quand même sortie pour 124,38 €. C'est pas mal, hein? Donc je vais rester une semaine sans faire de course, c'est sûr. Une semaine, je vais faire toujours avec mes restants, mes trucs, mes machins, et comme je fais tout le temps. Mais j'avais vraiment besoin de PQ, hein? On peut pas s'en passer. Et puis pour me faire des petites salades, pour me faire mes choses. Donc voilà. Donc je vous fais un gros bisou. J'espère que je vais avoir assez de minutes pour enregistrer parce que je suis à 17 minutes. Et voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo, hein, qui sera sûrement le feu. Je feuilleterai ces livres-là avec vous. Hein. Voilà, donc maintenant je range tout ça. Il est quand même midi et demi. J'ai reçu du courrier aussi. Je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah ben si, il a dû rester dans l'entrée là-bas. Et je vous dis, restez bien au chaud parce que, oui Betty, ici il pleut aussi, t'inquiète, il pleut aussi, il y a du vent, il y a de la neige fondue, il y a tout ça, voilà. Et on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Et Coco qui est partie ce matin à 4h30 pour aller bosser à 5h, je me demande comment qu'elle est arrivée, la pauvre nénette. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!